c'est parti. Et c'est parti avec un très bon départ de Sylvain Pussier, ouais, devant Margot Lafitte et Louis Gervaison. Louis Gervaison, partir avec Margot Lafitte. Mis dans la vie, mais attention, Il est passé. Il est passé. Il est passé, Louis Gervaison. Terrible dépassement de Louis Gervaison. Il s'est mis à côté, il a gagné. Eh oui, mais quand on part sur le côté humide, automatiquement, il y a moins de motricité. Et Louis Gervaison qui est parti peut-être pour aller chercher la victoire dans cette finale. Mais attention, parce que Margot Lafitte n'a pas dit son dernier mot. La finale, c'est 6 tours. Oh, oui. Et attention à Margot Lafitte. Sacré pilote également, Margot Lafitte. Deuxième de la catégorie élite l'année dernière. Elle pourrait bien revenir sur Louis Gervaison et lui poser quelques problèmes durant les 6 tours de cette super finale. Attention maintenant, est-ce que Louis Gervaison va avoir assez de puissance, assez de clous pour aller. Elle attaque, Margot. Eh oui, Margot, bien sûr qu'on peut compter sur elle. Ah là là, et derrière, là là. ça passe pour Clémentine Lost. Sur Edgar Malouagne, à Clémentine, c'est pareil. Hein. Je peux vous dire que les filles, dans les finales, elles ne sont pas faciles à tordre. Hein. Et pour l'instant, Sylvain Pussier en tête avec une seconde d'avance sur Gervaison, 1,7 seconde sur Margot Lafitte. Ensuite, on a Moinel, Malouagne et Clémentine Lost qui a gagné une place dépassant tout à l'heure Malouagne. Elle a perdu beaucoup de temps, Margot Lafitte, dans ce deuxième tour. Ouais. Pas mal de temps. Louis Gervaison a l'air un petit peu en difficulté quand même avec ses clous. Et je regardais juste derrière, eh bien, c'est Emmanuel Moinel qui est de revenir lui aussi et de protéger sa place en même temps sur Clémentine Lost. Ouais, mais Moinel, il a, je crois, derrière lui Clémentine Lost qui est en train de klaxonner très fort avec ta I-208. Ouais, elle attaque Clémentine. Magnifique. Oh là là, la bagarre superbe, la Clémentine sur Emmanuel Moinel. Pour l'instant, c'est pas passé. On vient de passer à la mi-course pour cette super finale. Il reste encore 3 tours donc avant le dénouement. Et pour l'instant, toujours Sylvain Pussier devant Louis Gervaison et Margot Lafitte. Voilà pour le podium. Et derrière, on a une belle bagarre entre Moinel, Clémentine Lost et Edgar Malouagne. Et là, ils devant, sont en roue. Hein. Et devant 1,6 seconde. Et pour l'instant, le record du tour en 42,474 pour Sylvain Pussier. C'est un point supplémentaire. C'est toujours un point. Et regardez, il met la pression. Il met énormément de pression. Ah, c'est Clémentine là, qui met la pression sur Emmanuel Moinel. Et Sylvain Pussier l'avait dit le week-end dernier. Elle est revenue, Margot Lafitte. Ouais, elle est revenue. Il a dit, Sylvain Pussier, je veux gagner la dernière à Superbès. Et bien pour l'instant, c'est bien parti pour Sylvain Pussier. Il est en tête avec 1,6 seconde d'avance sur Louis Gervaison, 2,6 secondes sur Margot Lafitte, après 5 secondes pratiquement sur Emmanuel Moinel. Ça va être compliqué d'aller le chercher et il faut que Louis Gervaison se méfie parce que j'ai bien l'impression que Margot Lafitte est en train de revenir alors que Clémentine Lost est dans le bouclier arrière de la voiture d'Emmanuel Moinel. Ouais, et là, ça peut bien se passer comme ça peut très très mal se passer. Oh, attention, elle va attaquer Clémentine. Elle va attaquer Clémentine. Elle y va. Vous pouvez l'encourager. Elle y va, Clémentine. Ah oui, elle y va. Non, ça passera pas. Cette finale, c'est extra, la dernière de la catégorie élite. Et pour l'instant, il reste deux tours. Pour l'instant, Sylvain Pussier est toujours en tête. 1,6 seconde devant Louis Gervaison qui va peut-être réussir à finir toutes les finales depuis le début de la saison sur le podium. Ça serait extraordinaire. Et Margot Lafitte qui doit se dire, il m'a dépassé, je vais essayer de le repasser pour une place sur le podium. Pour l'instant, on a à l'image Clémentine Lost en bagarre avec la Zoé d'Emmanuel Moinel. Mais il faut aussi préserver les voitures pour les petits copains qui vont rouler tout à l'heure. Parce que c'est les mêmes voitures qui vont rouler tout à l'heure. Absolument. En élite pro. Et là, tout est possible aussi. Eh oui, tout est possible, tout est réalisable. C'est le miracle de l'élite Trophée Andros. Et le dernier tour maintenant. Allez. Pour Sylvain Pussier qui devrait s'imposer dans cette catégorie. Et on les salue, les Pussier. Travail extraordinaire cette saison. Magnifique équipe, magnifique ambiance aussi. Franchement, il a voulu tellement cette victoire. Oui. Il a voulu tellement Sylvain Pussier cette victoire. Il avait annoncé la couleur le week-end dernier à Lens-en-Vercors. Il dit je veux gagner la dernière à Superbès. Il est en train de le faire parce que le dire c'est facile, mais le faire c'est beaucoup moins simple. Ouais. Et là il est en train de le faire. Et Margot qui revient sur Louis Gervaison. Il y a moins d'une seconde maintenant entre la voiture de Louis Gervaison et la voiture de Margot Lafitte. Il reste un virage pour tenter quelque chose. Elle est un petit peu plus loin, elle est un peu loin là. Ouais, donc normalement c'est fini. Et Sylvain Pussier qui va s'imposer. Voilà qui est fait. Premier Sylvain Pussier, deuxième Louis Gervaison, troisième Margot Lafitte. Voilà donc le podium que nous retrouverons tout à l'heure. On va les avoir au micro de Thierry Blanco dans quelques instants. Mais on s'est vraiment régalé. Et bravo, bravo Sylvain Pussier qui avait annoncé la couleur et qui a réussi à remporter cette catégorie élite ici à Superbès.